Sous le plateau Espérance TV. C'est toujours un plaisir, nous venons, Gracien et moi, pour nous animer l'émission TALA temps là, anti-causé. Nous rappelons que l'émission TALA, là, il y a la télé, Espérance TV, et il y a sous les zones du Espérance FM, le 91.6, et puis le 93.3, c'est par côté de la Guadeloupe Vie nous saluer saluer tous les téléspectateurs et puis les auditeurs. Nous avons au merci pour tant mm -hmm. que pour étudier la parole de bon Dieu dans des temps extrêmement mm -hmm. difficiles. Et c'est là pour nous pencher encore plus longtemps dans les, la Bible, la prière et l'esprit de prophétie. Gracien, bienvenue dans les plateaux. Je suis content de mm -hmm. mm -hmm. et comment vous êtes. Merci et la grâce de bon Dieu. Je vous salue aussi. Je vous dis bienvenue. Je vous dis bienvenue, Serge. Et puis, Madame Niki, qui a fait... an travay ekstraordinèr pou permèt ke nou ni son, nou ni imaj, pou nou pe sa pou vè parol bon diye, epi pou ansambl, pou nou pe sa diskite, an ka fòr gò koukou pou tout le sempatizan, le zami, le fidèl, emisyon wè, tout sa ke ka gade, ki bon diye beni tout moun, e ke nou pou aplezi, plonje kon wè dan parol la, pou nou sa, si se an nan nan. Merci puisque c'est là nous croyons que bon Dieu dont les hommes des différents dons et talents. Si et puis chaque moment qui a exercé et talent bon Dieu a augmenté a fait fructifier et ça bien. Alors nous on dit dans grand thème hein, et espérance à venir deux points. Oui. L'amour et la vie éternelle. Nous avons deux sous-thèmes grâce à mm -hmm. rébellion on dit dans l'univers parfait. Oui. Nous voyons que M. Lucifer fait la révolte en ciel. Yes. Et c'est là mm -hmm. qu'elle a déjà commencé. Mm -hmm. Racine mal là, levé là, en ditant, mm -hmm. Et puis nous voyons que la mort en dans en monde péché. Mm -hmm. ouais. La mort. Si vous ne pouvez pas venir péché, vous ne pouvez pas être mort. Hein? Ça, et, ah oui. Et, 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 et ça, c'est ça important. Mm -hmm. ça important. Ouais. Mais je dis, mm -hmm. à, nous allons continuer dans les tragédies qui frappent. Le monde dès le départ dans le jardin d'Eden. À présent, nous allons parler de comprendre la nature humaine. Priez, Papa Dieu, nous croyons remercier pour l'occasion où nous nous dit. pencher qu'on nous en les paroles là pour nous ça comprendre, pour nous ça analyser et pour nous tirer des conclusions qui positives, qui permettent de nous ni à dans l'éternité soupler souple. Nous allons étudier la nature humaine pour vers l'esprit nous. Tirez en notre tête nous, et pitié nous, toute vieille idée nous a qui parcouraient, Et puis quittez la vérité, transformez nous pour libérer nous en Jésus-Christ. Nous prions Amen. Amen. Texte à mémoriser à Gratien, trouvé quoi en Genèse. Genèse 2, verset 7. Hmm. Libanou. Hmm. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie ou encore un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante ou encore un être vivant. Très voilà. bien. Là, nous avons les éléments qui formaient un être vivant mm -hmm. et nous avons décortiquer ça plus tard. Ouais. Mais Texasaka ba nous des éléments là Poussier poussière, la terre qui veut dire l'argile, la terre. Oui, oui, la terre oui. Et, oui, oui là. Mm -hmm. Et c'est physique là qu'il a. Mm -hmm. Et puis il a ajouté un autre souf, élément. Le souffle, le souffle de Dieu. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors souffle là, combiné et puis la poussière la terre qu'a fait un dichotomie et donc il a fait c'est la racine carrée de, de l'homme. Oui ouais. oui. L'homme mm -hmm. est un vini en un âme vivante. Oui. Donc mais l'homme est en oui. âme ou bien il est en âme nous avons tout ça, nous avons ouais, développer. Ouais, développer, développer ça. ça. Hmm. D'accord, très bien. Eh bien, et on va avancer. Alors, qui manière, bon Dieu, créé l'homme et puis qui similitude qui a entre les animaux et puis Adam, bon Dieu, créé? Et eh bien, donc, euh, nous avons parlé concernant l'être humain. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce le bétail, les reptiles, et les animaux terrestres selon leur espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce, hein? et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc nous voit ouais, la similitude nous lit tout à l'heure quand l'Éternel Dieu formait l'homme poussait la terre et soufflait naïni une... les animaux aussi formés pour pousser la terre hein oui mmh. te mmh. un bon pour l'Épervier 26 27 là Oui, aussi. nous nous cahouer nous, nous, ligne puis Dieu dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance qu'il domine sur les poissons de la terre les oiseaux du ciel sur le bétail et sur qui romp sur toute la terre Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, nous, nous ici que Dieu formait l'homme de la poussière de la terre, nous voyons ça Genèse 2, 7. Mais il y a un élément ici, que l'homme créé à l'image de Dieu. Tandis que l'élément n'est pas prescrit pour les animaux. Pour les animaux. Donc, hmm. c'est une grande différence. Oui. Ça veut dire que bon, Dieu est construit, formé les animaux, et puis il y a un souverain, oui. Et il fait même là-bas l'homme, mais plus là il a ajouté à, il ajouté, à l'image, à mon Dieu. Et puis des bagaille, nous ne que l'homme ni en intelligence et puis les animaux ni en instinct, même s'il a développé au maximum et ça a fait en mm. grande différence. Mm. Alors, bien que l'homme et puis les animaux, ils ont tout le temps fait à partir de la terre, ouais. ils ont mm. l'homme, mais l'homme est distinct, c'est ce qu'on a mm. dit, d'abord et tout cela. Maintenant, nous croyons que l'homme, c'est une, une, une entité physique qui est une entité vivante. Ouais. Deuxième bagage, Dieu créé l'humanité mâle et puis femelle. Absolument. Et c'est oui, important. C'est oui. mm. important. a des et mon manière a formé l'homme, Mmh. former l'homme oui. Et, et est-ce que c'est pas manière, nous a à texla pour, mmh. pour bannir la théorie des hommes qui a dit que nous ka, nous descendons du singe. Ah ouais. Ma Ici, hein, maintenant, le livre de la Genèse c'est le livre de commencement. Et c'est là que nous avons placé des poteaux indicateurs comme des jalons de référence maintenant pour nous savoir qui côté nous sortit qui nous qui fait nous maintenant et qui côté nous qu'à aller donc ça c'est des livres de référence dans la Genèse nous qu'à apprendre quoi contrairement à tous les scientifiques et les grands écrivains qui écrivent la théorie de l'évolution et tu l'évolution des espèces et tu qu'elle, maintenant en finalité, c'est pas un Dieu créateur qui créait mm -hmm. les choses, qui créait l'homme, mais l'homme maintenant qui descend dans l'autre évolution de l'animal. Maintenant, ça en théorie à bannir parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les choses et la terre, et il au commencement. Comment est-ce les choses passaient? En six jours. Sixième jour, il créait l'homme de la poussière de la terre, soufflant en araignée, soufflant de vie jeunesse de sept, et puis l'homme devint un être vivant, une personne vivante, oui. ou encore une âme vivante. Ce qui est important, c'est que le bon Dieu organisé et le jardin d'Eden. Nous avons fait les arbres, il fait il passer des animaux. Et d'ailleurs, au lieu que <laughs> nous descendons des animaux, d'ailleurs, c'est mm. Adam qui bat ces animaux. Ah non! C'est ça, ça, ça important. Oui, oui, oui. Eh bien, mm. non! Donc euh, même Macaque là nous qu'a créé Macaque aujourd'hui mm. si c'est de nous descend faut que ce monde pas oublier que c'est Adam qui bail non non Macaque ah, si. c'est bon <laughs> Dieu qui créé tous les dés. Mm, mm. et puis tu mets l'homme pour dominer et puis guider et la race des animaux mm. La terre poussière plus souffle Souf de, de vie, vie égale, égale personne personne âme ou, vivante. ou âme vivante. vivante ça veut dire que, que nous n'avons pas un âme hein, un âme qui en dit nous mais nous sommes en âme vivante mais ça on doit pas dire ça parce qu'il n'y a qui dit comme ça les hommes n'a pas parti et et alors, on va aller au purgatoire. Au purgatoire, soit en paradis ou bien en enfer. Mm. Maintenant, ben, la parole de bon Dieu n'a pas soutenu ça. Nous allons voir dans la suite réflexion. Nous alors, on va regarder on... on... qui côté ah. et, et les âmes, les âmes qui sont et, mm. mm -hmm. et est-ce que la mortelle, c'est ça que nous allons à présent? Hein? Oui. Nous allons voir dans Ézéchiel 18, verset 4, verset 20. Et puis nous allons Matthieu 10, verset 28 aussi. Mm. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, c'est ça là, à montrer que l'âme pas immortelle. Immortelle. Ouais, l'âme pas immortelle. Maintenant, oui. l'on regarder la notion de l'âme oui. par rapport à qui fait dès le départ dans le jardin d'Éden. Ça, c'est une conception de Satan oui. qui, qui mettait la doctrine de l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme. Nous avons rappelé à des conversations en Genèse 3, là où Satan euh, posait la question, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que vous et ça qui a de manger les abdi jardins. Mm. Eve dit non, bon Dieu dit nous nous pouvons manger toutes les jardins. mais seulement l'abdi à la caméliard nous ne pas toucher. Oui. Et, et, et pas manger de peur qu'on nous mouille. Alors Satan dit vous ne mourrez point. Ouais. Et il ne peut fouiller, il manger de vin, Elle Eve, pour faire oué, ouais, il ne et alors, donc, à partir de cette déclaration-là, vous ne mourrez point. C'est là qui fait maintenant la doctrine de l'immortalité de l'amiprenaisse depuis dans le jardin d'Éden, qui véhicule non seulement par les scientifiques, qui véhicule non seulement par les savants, mais aussi par les hommes de la Bible, mmh, qui mmh, a véhiculé cela. Oui, oui. Alors, maintenant, et qui sera dit ces mondes-là, qui a dit comme ça, eh bien, et maintenant, L'âme, pas mort, il peut pas mort, puisque il remonté remonter à mon Dieu, le corps est descendu ah, terre. C'est l'âme qui a remonter ou ah, même, de vie C'est le souffle de vie qui ouais. a remonter. Nous nous rappelons ces mots dans nos chantages. Par exemple, nous nous si nous, Fort de France, et Gouassian, écoutez bien. Oui. Nous, Fort de France, et puis, il y a oui. ba la population de Fort oui. de France. Il oui. y a dit, euh, ka ba un chiffre comme ça, oui. il oui. y a 35 000 âmes. Il n'y a pas de monde qui a mort et qui a mis en l'air. Ah, mais non, c'est un monde qui est vivant. Parce qu'il n'y a pas de âme, il si n'y a pas de poussière, plus, plus souffle souf de vie. vie. Souf c'est ça qui fait un âme vivante. Mais ouais. si ni n'y a pas de poussière hein, et il n'y a pas de souffle de vie, maintenant, il ne peut pas de âme extérieure qui a parti. Il mm -hmm. faut que les deux composants pour que ce soit personne vivante. Alors, vivant. le mot âme est remplacé par personne. Personne vivante. Personne vivant. Bien. On nous regarde qui que Jésus, qui a dit nous dans la déclaration, il fait, on dit dans Jean 6 et verset 40. C'est important ce sujet là, puisque jusqu'à maintenant, il n'est a pas vraiment Jean 6 au verset 40. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et Bien, c'est ça. Ça, c'est important. Quiconque croit et voit le Fils et croit en lui, maintenant, en fait, a hein, la vie éternelle et cette vie éternelle me permet de le ressusciter au dernier jour. Ça veut dire? Que le passage de la mort est bien réel. Euh, oui, oui, c'est ça. Ça veut dire que mon amour, c'est le garantie, c'est Jésus. C'est Jésus Jésus. Jésus qui a la résurrection et puis la vie éternelle. La vie éternelle. Et on nous avance pour nous parler à présent que là où est mon amour, qui ça qui a fait réellement? Nous Genèse 2, verset 7, mm. et puis Ecclésias 12, verset 1 à 7, et oui. puis Genèse 7, 22. Mm. Alors, nous, eh, ah. dans Genèse 2, 7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc maintenant, nous, eh, ici, il y a deux entités, poussière plus souffle de, souffle de vie. Ecclésiaste 12, maintenant, quand le processus inverse. Alors, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset 1er. 12, premier. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Au verset 3, Kadou, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, agent que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent et que tu te dises Je n'y prends rien. Et alors, euh, nous allons continuer et puis nous allons au verset 12, 7, où l'on doute ce qui est levé et on a la terreur de les chemins de la mort, Dieu fleurir, les sauterelles, etc. etc. car. Au verset, nous continuons continuer. « Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le souffle se rompe et la source et que tous les roues se cassent de la citerne. » Avant verset 9. Mmh. « Que la poussière retourne à la terre comme elle y était. » que l'esprit retourne à Dieu a qui l'a donné. En voici cela, en voici cela. Hmm. Verset 9 là, il est intéressant. Mais oui. Alors au départ, Genèse 2 7bano, oui, moniel l'homme composé composé poussière, poussière plus, plus de vie. vie égale h p e être plus vivant. S égale h homme vivant ou encore E, être vivant ou encore a âme vivant. L'homme à mort? Oui. Et verset 9, Église 12. Oui. Avant que la poussière retourne. À la poussière, à la terre, À la terre, comme elle y, y était. était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors c'est ça qui a fait. Pas plus de bagage. Oui. Pas plus de bagage. Bien. Alors, donc, on... donc, oui. là où elle poussière, retourne à la poussière, puis l'esprit retourne à Dieu, il en encore. I mm -hmm. pa ni person vivote ankon. Oui, alors mm -hmm. ou ka di sa, mm -hmm. ou sa va dan ti ko, jè mwen ni deti kèsyon ki di mwen. Ti oubli lan? Oui. Mm -hmm. e, alors pou ti moun ka di, gran maman mwen vini potan teri mè drasye ba mwen, e mary mwen, maman mwen mante telman mè, Il venait bah mon conseil etc tout ça alors mmh. qui ce qui a passé là qui... eh bien, qui ce qui a passé là même parole là qui te déclare déjà de début de, de, de mmh. vous point mais Dieu sait que le jour où vous allez manger vous allez devenir comme lui-même concernant le bien et le mal mmh. et vous pourrez avoir la capacité hein, mmh. de mmh. visiter et de donner des médicaments finalement d'être Dieu mmh. mais ça c'est le mensonge Et qui s'est dit, il a dit, bon, les gens sont morts. Et il a fait l'enterrement, il a dit comme ça, il a placé en couvée. Ça veut dire qu'il a monté. Mais il n'y pas plus encore. puisque il a dit que c'est huit jours après. C'est le nom qui a quitté qui a la maison d'habitation. Mais la Bible dit que ce même jour, leur déception périsse. On nous prend des textes pour clarifier ça. On nous prend Ecclésiaste, nous en dit dans il-là. Ecclesiastes 9, oui. et nous croyons verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire car leur mémoire est oubliée. Et leur amour, mm -hmm. et leur haine, et leur envie, et la connaissance qu'ils ont ajoutée ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part. À tout ce qui se fait sur le soleil, alors nous deux bagailles oui, ça est important. Mm -hmm. Premier, les vivants savent qu'il y a mort, et par rapport à ça, mm -hmm. nous n'y intérêt fait pour vision, oui, c'est ça, c'est ça, vision. Vivre. Nous, c'est Jésus. Hum, Jésus, Jésus, Jésus. Euh, nous dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, oui. mais souviens-toi, deuxièmement, ça, 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 il, il a dit, hein. mais les morts ne rien. Rien. Le savent rien, rien. Mm -hmm. donc. On peut pas prier non Non. Il peut pas prier baou non plus. Il peut pas prier baou. On peut pas chanter bail. Non. Il peut pas chanter baou. Non. Il peut pas, pas voir en goissant d'obstacle cadeau. L'amour yo. Hénio. tout ça ça péri et yo pas ca ni jamais aucune part aucune, aucune part à tout ça qui est fait à sous soleil là. Yes. Grâce Dieu, hmm. Si en montant maman est venu la nuit ou papa ou mari ou Isli, qui ça qui fait là. On a clairement mon nom. Qui ça qui a fait là? Eh bien même voix qui te dit Eve a déjà des enfants pour ça ou papa est mort. C'est ça il mettait l'immortalité de l'homme là. Eh bien c'est Satan qui a envoyé ses anges-là. Maintenant pour les moun, imiter voix moun, imiter physique moun, les moun pour venir maintenant manifesté comme étant mon nom même. Non, mais ce sont des démons qui ont fait ça. C'est mm, la Bible qui a dit nous que c'est l'esprit de démons. Là où je ce moment-là, lire le texte là, en Samuel 28. Notez-y et ligne, en Samuel 28, Et il auquel roi, un roi en Israël, qui a fait évoquer un mort pour savoir qui te la volonté de Dieu Met nan satan apare kwa yu di, di, di magicien nan an do, epi ka di Samuel, e, sa yu ka di fè mante Samuel bon mwen ki te profet l'Eternel pi pale bon mwen. E ben, satan dezize kwen Samuel, epi eh, eh, e mèm mante an profet ki ka ni, epi eh, imite vway, epi eh, ka pale sa yu, Puis il dit que, maintenant, pour tout quoi persécuter moi, mon Dieu va divier d'ouba. Bon. Il dit en vérité, mon Dieu te vieillé d'ouba. Samuel ça il va, parce qu'il était fait le rebelle, mais en réalité, derrière yeah! révélation, là, là, c'était un ange déchu qui, oui, là. Oui, qui était. Oui, oui, c'est le diable qui délivre qui déguisé. Nous prend ce texte-là, hum. pour nous avancer, qu'on ça nous refait le dernier point. Exactement. Et Job chapitre 3, mm -hmm. verset 11 à 13, hum. somme 115, verset 17. Et puis nous répondons Somme 146, verset 4. Hmm. Et puis, si nous n'étons pas un dernier... Alors, Job 3, hmm. verset 11 à 13. Job 3, verset 11 à 13, nous dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère Mais pourquoi n'ai-je pas expiré au sorti de mes entrailles Pourquoi ai-je trouver des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter. Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je me reposerai avec les rois les grands de la terre qui ne bâtissent des mausolées, etc. Donc ici à se comprendre de job maintenant par rapport à la souffrance, il touchait, il commandait, que vraiment il a posé des questions pour qui, il il ne pas mort, il a vivre parce qu'il a enduré, parce que nous avons appris ce monde, que Job a enduré en l'eau. Mais, ouais. là, nous avons lu toute l'histoire, nous avons vu qu'il a porté espoir à Dieu l'Éternel, Dieu le Rédempteur. Somme 115, verset 17, il a montré nous qu'en réalité, hmm. ben, ben, les morts n'ont rien à faire. Ce n'est pas les louer l'Éternel, ce n'est pas les morts prier l'Éternel, mais ce sont les vivants. Somme 115. Verset 17, nous lis. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le chéol, c'est-à-dire le lieu du silence. Mm -hmm. Mais nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais. Nous le vivons. Absolument. Oui, c'est ça, 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 ça important. Mm -hmm. Le mot là, au fin nous ne pas contact. Donc, un monde pour c'est un vivant, ce pas, oui, pas un monde qui est mort. Somme 146. 146, verset 4. C'est un thème qui, qui, oui, passionnant qui est passionnant pour montrer qu'il y a un grand conflit cosmique oui. là Qui est l'ennemi qui a essayé de tromper mon Dieu Oui, dit oui. alors nous allons le verset 3 pour bien comprendre. Mm. « Ne vous confiez pas au grand fils de l'homme qui ne peut sauver. » Verset 4. « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périsse. » Oui, bel, ouais. passage qui là. Ouais. bel passage qu'il a, bel passage. Il n'y a pas de an pour an de son pays. « Les nous disent que les morts ne savent rien. » A yen, e ke le ou an di dan ton blan, e me yo pa ni aktivite, yo pa ni rezon, yo pa ni konesans, ouais. yo pa ni sages, ouais. yo pa kay mèm sa, sa kite an remèd drasye, pa mèm an bol d'lou. Mm -hmm. e, e sa yon pa otan pou nou. nou ouais. An nou fè dene poyan pou wèk, e, e ki sa se tek sa la kansenè nou, a sou lan mòr. Là, comme ça, sans dormir avec ses pères. L'expression, tu as mmh. ça. L'expression, sans dormir avec ses pères, c'est simplement, euh, c'est une expression qui cadeau quand ils sont entrés dans le sépulcre et puis ils sont là. Ils sont morts. Ça veut dire que s'endormir avec ses pères, ça veut dire que c'est pas que les pères qui sont oui. là, vivants, qui attendent, les bras ouverts, mais ils sont morts. Mais Il y aura les même côté. Il y aura même côté. ça c'est la tradition de, culturelle de l'époque. C'était maintenant. maintenant euh, 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 le tombeau était fait pour la famille. Tout le monde a dit ça dans le même tour. ouais ouais Alors, on ça. nous prend des textes et puis nous avons fait une conclusion. On est, Et. C'est un thème qui est passionnant. Et puis, nous avons que, heureusement, Jésus bat la victoire. Il fait nous remporter la victoire là, par rapport à lui à sous la mort. Absolument. Donc à présent, man, pas de on n'a pas encore grâce au Père mort, puisqu'on est l'assurance on on... de la non, résurrection mais, Et puis Jésus-Christ, Jésus c'est lui le garant de la résurrection. S'il y a un événement qui peut bouger maintenant le monde qui mort, est mort, c'est lorsque Jésus-Christ est venu. Mmh, on mmh. ça. Mmh. Très bien, très mmh. bien. Nous avons nou 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 oui, oui. qu dit que nous ne pouvons pas nous perdre la mort. J'ai dit que la mort commercialisée, c'est tout le monde qui a fait grappé la mort. En l'eau superstition qui est fait en mort, nous perdons la mort, nous avons la mort plus qu'il y a une mort qui est vivante. Nous avons tout le monde. Alors que finalement, c'est 10 vivants. C'est 10 vivants. Si nous avons dit que c'est 10 vivants, nous avons dit c'est du vivant. Mm -hmm. Si on a un cadeau pour bail, c'est du vivant. Si on a un encouragement pour bail, c'est du vivant. C'est pas les mort. ou aller, mais courage courage nous. On pour euh, demander, une pour, mm -hmm. pour demander pardon. pour Si on a pardon à c'est du vivant pour demander pardon. Et surtout, on aller devant ce là et puis... Kap pale pa ba mounan, kondisi re mounan katan. Ouwa, se sa. Alors, lòk wafan, sa l'importan. Mm -hmm. Lòk wafan servis. Fineb. Fineb. Ou dènyè mouman, ou pa ka fe servis la. Bamora. Non, non service-là pour fortifier la famille. Encourager la famille. La famille, encourager. Je me en rappelle que c'est un moyen d'évangélisation parce que c'est un point commun qui a mis tristesse. Hein? Qui a tristesse, mais on ouvert ouvrir un volet de l'espérance maintenant uh -huh. pour soulager la tristesse. Peine de ces mais pour mener vers le plus grand, le grand, l'éternel consolateur, Jésus-Christ, qui triomphe de la mort et qui garant tout le monde qui meurt mort pour la résurrection. En Christ. Oui, oui. Eh bien, ça ben, sans laisser, nous a ah, fini, si. et puis nous ah, a dit c'est mon oui. nom comme quoi que c'est un ennemi nous y oui. affronté tous, hein, la mort. Oui. Mais la science-là nous a Jésus a ni en, zi, oui. la clé. Mais, oui. Des morts oui, et du séjour des morts. C'est la résurrection mm -hmm. et puis la vie. Donc euh, sous mort en Christ, ou ressuscité mm -hmm. en Christ. On oui. hein. nous prie. Ah, si, oui. Et papa Dieu, nous avons merci pour grâce et puis miséricorde. Ah, si, si. Quoi, bah, nous tous les jours. Ah, ah. Merci pour Paul qui a mm -hmm. montré nous qu'en réalité mm -hmm. nous venons des mains du Créateur mm -hmm. et ou nous ou ben bah, nous l'intelligence et puis souffle la vie et puis vous créez nous à l'image mais le péché est venu mm il -hmm. termine l'image celle-là yes. dans mon Dieu mm -hmm. nous commandons pardonnez-nous tout péché yes. et puis ouvrez-nous par le Saint-Esprit mm -hmm. pour nous comprendre par l'eau on dit dans les derniers jours puisque grand conflit cosmique pour qu'on mm -hmm. finisse les remêler à la vérité qu'à continué enseigner, mm -hmm. mais où les éclairer tout le monde dans les planètes là nous ouvrir, nous pour nous dire comme quoi les noms morts nous, nous retourner dans la poussière sauf la carrière à Dieu. et nous là, c'est nous accepter Jésus à ton grand joie et les trompettes qui sont et puis les morts en Christ qui ressusciter. Béni tout le monde, souple nous, nous prier en nom Jésus. Amen. Amen.